بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث 684 dans chapitre باب الحياء وفضله الحياء la pudeur, la honte et sa vertu. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه rapporté par سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال لجيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنا plus beaucoup حياء, plus beaucoup la honte, plus beaucoup pudeur qu'un عذراء. Un عذراء, c'est un nouvel marié. C'est une vierge, si nous traduisons littéralement. Fi khidriha, dans ce khidr, c'est une place qui normalement qui l'y allait tranquille, et un rideau qui sépare lui, pour qui l'y reste, comment dire, dans parda, comment nous dire. Alors, ici, il montre nous que, première affaire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, ce pudeur, qui quantité l'y était, l'itien n'a plus beaucoup pudeur qui est un nouvel marié qui danse au parda. Là, il retourne nous à une affaire. Le film prend l'exemple de un qui, supposé, n'a plus beaucoup pudeur même là. Le film compare ça avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a plus pudeur que ça. Donc, qui ça, Dimoun, qui ça, qualité Dimoun, qui, supposé, n'a tellement pudeur. Comment dire, le film vient une référence dans la pudeur, dans Haya. L'Ella peut montrer que Rasoul Zahassalam n'a plus pudeur que lui. Pour faire l'excellence, comment dire. Alors, qui ça dit, mon là, ça, c'est un jeune sifi qui peut encore marier, qui fait que marier. Comment dire, c'était là, puis a découvert la vie. Un dimon innocent. Quand on dit innocent, je comprends ce qu'il veut dire. Donc, c'est ça qui représente la pudeur. Dans une considération islamique. Nous prenons ça, nous comparons ça avec ce qui nous trouvait à Stella. Malheureusement, quand il fait la jeune, la même il y en a moins de pudeur là. Quand il finit une vie, il est là qu'il supposé na un tigine plus haya, il est là même qu'il peut commencer à couvrir là. Alors que ça c'est tout le contraire. Quand il fait la jeune, il finit grandir dans l'environnement, ses parents finissent aide là-dedans pour qu'il préserve sa pudeur naturelle qui est là, sa haya naturelle qui est là. Il y a une jeune fille qui peut encore marier. Donc, qui peut encore découvrir beaucoup de quelque chose de la vie, à ce moment-là, cette fille-là, elle a beaucoup pudeur, elle a beaucoup haya. Par exemple, il a, dans certaines cultures, il peut marier avec un dimon qui n'est pas trop connu là. Il peut marier avec un dimon qui n'est pas trop connu. Bon, là, nous pouvons faire abstraction de quelque chose qui passait, qui pas exactement dans le cadre. Par exemple, qui tifie avec garçon, fini. Va corner avant, fini comme autre bande camarade, fini faire beaucoup d'affaires avant. Les là quand peut marier, comment dire, c'est une formalité. Non, il n'est pas supposé comme ça. Là, tu fais là, un dimon qui n'est pas trop connu parce qu'il s'est habitué, une qualité habituée qui ça tu fais là, il vient 100% à l'aise là. Il est supposé arrive après Nika ça. Parce que si fin arrive autant de familiarité, quand tu fais là, il n'est pas pour sentir aucune pudeur, aucune la honte vis-à-vis sa nouveau marié là. Mais ça veut dire fini dépasse pas une limite avant même mariage. Alors qu'il nous connaît, qu'il y a beaucoup quelque chose qui c'est après Nika qui s'est posé passer. Et donc là, il fait référence à beaucoup de bonnes affaires, ce qui dans le langage mauricien on appelle fréquenter, ou soit finir un copain, copine, ou soit finir un beaucoup promiscuité. Après, elle a servi mariage, soi-disant, pour blanchir toutes affaires. Alors, l'esprit de l'islam, c'est pas ça. Comment Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wala taqrabu az-zina. Wala taqrabu az-zina n'a pas approche avec zina. Donc, ça, dimon qui s'y posait n'a plus beaucoup pudeur là, qui peut servir comme à l'exemple, comme à référence là, c'est une jeune fille qui a stella pu marier. À stella, elle peut découvrir la vie. À stella, elle a beaucoup ben la porte pour ouvrir. À cela, il y a beaucoup de quelque chose qu'il peut apprendre, qu'il est là, sa innocence là pour aller. Dites-nous pudeur qui s'y posait côté. Ça dit monde dans nos sociétés, dans nos lacas, qui s'y posait représente un maximum de pudeur là, qui s'en là, il était. Et quand nous guettons malheureusement, aujourd'hui,
qui li fin vini, quand nous get li l'olari, quand nous get li pi habillé, quand nous get li pi comporté, nos jeunes filles là, qui fin arrive li. Alors ça c'est un signe de décadence de sa société là, de sa communauté là. Quand on nous retrouve, nous, bonnes jeunes filles, péagir avec haya, avec pudeur, alors ça c'est un signe de la santé spirituelle de sa ummat là. Hadith continue, فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ. Et quand on lui trouve quelque chose qui n'est pas content, عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِ. Nous finis qu'on est, pas Sofigia même, Sofigia Mubarak, sallallahu alayhi wa sallam, nous finis qu'on est, ben sahabadi. Qui veut dire ça? Ça veut dire que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelque chose, quand on l'a trouvé, il n'est pas content, il a tellement, tellement pudeur, qu'il n'est pas même ouvert sur la bouche. Ça veut dire, nous pas pour attendre qu'il est en colère, qu'il est pour dire des affaires désobligeantes, comme beaucoup de monde fait aujourd'hui, il y a une parole grossière qui sort. Il n'est pas même dire non, rien. Ben, sahaba finit qu'on n'est pas ce figuier sans eux, ce couler sans eux, comme on finit à prendre dans ben, les autres hadiths. Alors, ça, c'est l'excellence dans Al-Haya, dans la pudeur. Alors, ça, c'était le dernier hadith dans nos chapitres. Et Imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, les continue explique certaines explications les données. Les dire qu'al al-ulama, ben ulama fin dire, haqiqatul haya, alors la réalité de haya, pudeur, c'est qui, qu'était ça, khuluqun yab'athu ala tarkil qabih. C'est une qualité, c'est un caractère, un trait de caractère, un khuluq, un parmi ben akhlaq, qui li amène jimoun la pour quitte ce qui est vilain. Al-qabih veut dire ce qui est vilain. Les vilains, d'un point de vue sharia, dis-moi, ils connaissent, ils peuvent faire quelque chose qui est en déocade, ah, ils n'ont pas bon sens de péché, ça ne va pas pour faire. Donc, ils n'ont plus d'œil vis-à-vis lui-même, parce qu'il est respecté lui-même. Les bisins capables de faire lui-même face quand ils font ce muhasaba. Ils n'ont plus d'œil vis-à-vis dis-moi, est-ce qu'ils m'ont pour faire ça, quelque chose qui est vilain là? Ils n'ont plus d'œil vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Comment m'ont pour faire ça péché là, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut guetter moi? Je suis content Allah, Allah est content moi. Je n'ai besoin de rendre compte, c'est vers lui-même qui m'a besoin de retourner et il peut trouver moi, il peut tendre moi, il peut trouver tout, il peut tendre tout, même ce qui m'a dans mon équerre. Qui m'a dit capable de faire sa vie dans quelque chose là? Il y a dans la pudeur en ce qui concerne ben, quelque chose coutumier. Ça veut dire que c'est l'environnement, sa société que tu peux vivre là, ben, coutume qui est là, et il y a certains quelque chose qui est vu comme étant vilain. Alors, il n'est pas pour faire ça. Alors, l'islam, il y a une grande place pour coutume, pour ce qu'on appelle urf. Alors, un endroit qui nous peut rester, une société, sur une coutume, nous bien respecter, bien sûr, aussi longtemps qu'il est dans le cadre islamique. Comment il sortit en dehors du cadre islamique, il n'est pas bon. Par exemple, quand monsieur, madame, Joanne, je t'embrasse, cousin, cousine, Joanne, embrassez Lola Jou, faire bisous, comment nous dire. Ben, collègue, Joanne, peut faire bisous. Ça, c'est une coutume, mais c'est mal, il pas bon, nous pas pratiquer. Parce que, bisous fais-y, c'est un mahram, ban maharim. Un jimoun, les jeunes, sur maman, sur sœur, tout ça là. Ça, il fait bisous, mais ban madame étrangère, il pas fait. Mais, il y a ban les autres coutumes, nous faire un, il y a ban greeting, par exemple, qui nous fait, et la femme, même, ne serait-ce qu'un signe de tête. Si jimoun là, il pas musulman, mais au moins, nous pouvons faire un signe de tête. Alors, ça, les bonnes affaires qui, Mahmoud. Même si, peine aucun dans le framework islamique, pas de mention ni, ça ne veut dire qu'il n'empêche ni, mais ça veut dire qu'il a porte ouverte, nous pratiquer. Alors, nous, bien respectueux devant le coutume, et quand on est là pour, comment dire, aller en dehors devant le coutume, là, nous gagnons honte. Alors, dis-moi là, nous gagnons honte vis-à-vis de les autres dis-moi aussi, comment on ne peut pas faire ça? Par exemple, quand ils nous donnent un quelque chose, nous donnent des affaires en retour, alors ils nous donnent des affaires, je gagne un petit peu honte tant qu'il m'a des affaires en retour pour Anli. Donc ça, c'est une bonne habitude qui nous est là. Alors, Imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, il continue, il dit, « وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ ذِي الْحَقِّ. » Et ça, « Hayala » lui empêche sa dîmoune-là pour un manquement dans « haqq » ban les autres dîmounes qui sont « haqq ». Ça veut dire ban les autres dîmounes qui sont « droit » ou sa dîmoune-là. Ben, les autres dîmounes qui ont un droit, là, au moins, alors, moi, j'ai un tracas, j'ai droit. Attention, moi, pour manquer, j'ai droit. Attention, moi, pour faire l'injustice envers eux. Attention, moi, pour mal comportement vis-à-vis eux. Moi, pour, dîmounes, bougez-moi mal élevé. Les bougez-moi, guettez-moi, moi, finement, clé du respect.
les pyjamas que tu as mon fin si pas qu'aucun lit mon gagne honte mon gagne tracas. Alors ça c'est une quelque chose, c'est un sentiment. Il est important nous pense là les bizarres animent nous chaque fois ça. Et dans dimon nous trouver dans dimon qui a un bon caractère tout le temps il a un petit tracas en plus. Aïe attention nous parle des ranzli. Ça l'est là mon coup téléphone lit attention il peut reposer mon coup des ranzli. Mon parle guette lit attention aïe mon gagne honte pour réel dimon lit encore. Tension il ne tresse pas, tension il ne mosse au-delà de ça la ligne là. Alors ça dit moun qui a bon caractère là tout le temps il y en a sa titraka en plus qui attention il le dérange les autres là. Ça nous bizan en a là. Sa titraka en plus là nous bizan en a. Ça c'est un bon signe, c'est un signe haya ça. En même temps, il y a beaucoup dans les autres bons caractères là. Et Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi continue, il dit wa rawayna an Abi al-Qasim al-Junayd rahimahullah. Donc il mentionne un parmi man grand Aulia, un parmi les grands ulama qui appelle Abu al-Qasim al-Junayd rahmatullahi alayhi, il dit fin rapporté depuis lui qui le fin dit al-haya'u ru'yatu al-ala'i ay an-ni'am wa ru'yatu at-taqsir. Haya qui était ça un dimon liget ban faveur qui Allah subhanahu wa ta'ala fin fait ala comme on trouve dans sourate Ar-Rahman fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, lesquels parmi ban faveur des Europes, des autres Europes qui se pour refuser. Donc liget Allah sur ban faveur qu'il ne fait l'oli et liget at taqsir, ça veut dire manquement dans sa ban faveur là quand il pour faire une façon il pour agir en il pour manque du respect à sa ban faveur, il pas pour faire justice, il pas pour honorer sa ban faveur qui Allah ne fait l'oli là la fa yatawalladu baynahuma halatun tusamma haya'an et là entre considération qu'il y en a là et une affaire qui prend naissance ça quelque chose là appelle ça haya les gars ont été qui manière moi pour faire ça quand qui manière moi pour faire ça tel péché là quand Allah fin fait tant faveur à l'homme qui manière moi pour laisser saler namaz là aller moi pour négligent et arrive les namaz moi pour attendre dernier l'air alors que Allah subhanahu wa ta'ala rasoul sallam il montre nous tellement le fait namaz et fait namaz dans le soleil. Allah subhanahu wa ta'ala il fait autant faveur au monde. Qui manière mon pour manque du respect, qui manière mon pour comportement comme un mauvais banda comme ça. Alors ça donc il termine ce chapitre là pour ça pour haya et il y en a beaucoup hadith qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin mentionné le haya. Il y en a un qui est bien connu, c'est qui Rasoul sallam dit idha lam tastahi, si tu peux na pudeur, si tu peux na haya fasna ma shi'ta, alors fais ce qui tu as envie, comme a dit Rasoul sallam fin la blâme avec ça dit mon là. Rasoul sallam lui dit aussi al haya ou min al iman. Haya li sorti dans depuis dans iman. Comment nous apprendre hier haya li en partie dans iman. Wal iman ou fil janna. Et iman y amène vers jannat ça. Wal badha ou al badha c'est le contraire haya, ça veut dire la grossièreté, l'indécence. Wal badha min al jafa. Ils font partie dans la futilité, ça. Ça veut dire, man quelque chose qui est contraire, iman. La futilité, et wal jafa, au final, et sa futilité-là, yamène vers jahannam, yamène vers diffé, ça. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam aussi, il dit, ma kana al fahshu fi shay'in illa shanahu. Quand il a al fahsh, ça veut dire, quelque chose qui est vilain, quelque chose qui est honteux, quelque chose qui est grossier, qui, irrespectueux dans une quelque chose, alors il pas fait rien à part, il fait lui une plus vilain encore. Wa ma kana al-haya fi shay'in illa zanahu. Et haya quand il a dans une quelque chose, il pas fait rien à part embellir lui. Donc nous cultive haya, nous pas considérer lui comme un défaut comme on nous fin apprendre dans le premier hadith, mais nous considérer lui comme une qualité. Et Rasoul sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala idha arada an yuhlika 'abdan, quand il a envie de détruire un être, un banda, quand Allah a envie de détruire un quelqu'un, naza'a minhu al-haya, il tire haya depuis lui. Première affaire, il tire la honte, il tire la pudeur depuis lui. Fa idha naza'a minhu al-haya, quand il finit tire haya depuis lui, qui arrivait ou pas pour joindre lui, excepté qui comment dire ou pour trouver qui est en colère, Allah peut en colère avec lui. Et un signe de Allah se colère à lui. Et quand vous pouvez joindre lui avec ça, qui est un avancé, qui est Allah lui en colère avec lui, vous pouvez trouver qu'il nous y a minhu al-amana. Al-amana fin enlevé depuis lui, l'honnêteté, l'intégrité. Nous t'apprenons al-amana. Donc,
ça finit enlevé depuis lui. Et quand vous trouvez qui al-amana finit enlevé depuis lui, il est là, qui n'est arrivé, et n'a al-khiyana. Les contraires al-amana. Il y a un divin endimoun qui les trahir. Alors, les pains d'imoun honnête, les pains d'imoun droite. Quand vous trouvez les divin endimoun qui n'a khiyana dans lui, il est là, nuzi'at minhu ar-rahma. L'autre affaire qui Allah tiré, c'est ar-rahma. Allah tire rahmat de celui qui est. Les divin endimoun dit, il est là. Il est là, quand vous trouvez, il n'est plus Rahim, qui est venu? Il est venu en Dimon, Moula'an. Quand Allah finit à Rahmat qui restait, Allah il a envoyé Solanat l'Oli. Vous trouvez ça, Dimon là, il a Allah Solanat l'Oli. Alors, ben, si Allah Solanat l'Oli, Dimon, pas nécessairement qu'il vous trouve Dimon là, il peut être dans un problème, il peut souffrir avec maladie, ou soit il peut souffrir de quelque chose, de calamité qui peut frapper. Ça aussi, il est capable de dire Allah solanat, mais bien souvent, il n'est pas dire ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il teste ce ban qui est content aussi, pas maladie, pas de difficulté. Et dans le monde, il peut enjoy la vie dans le bien-être, mais Allah solanat, loli. Si ça dit mon là, il n'est pas bien taufik, rappelle bien ça, mon là, taufik, il n'est pas mouafak. Allah, il prive lui de bon quelque chose. Il n'est pas entouré avec bon démon, il est entouré avec mauvais démon, qu'on nous fait trouver récemment. Qurana as-su. Et ça démon là, Allah fin prive lui de son ibadat, Allah fin prive lui depuis son zikr. Ça, la anat, ça. Qui Allah protège nous. Donc, nous vous trouvez qu'en rahmat fin sorti, Allah sur la anat, vin le sa démon là, et, ou pas pour joindre ni, excepté radiman, radim. Une description qui fin donne shaitan. Radim, c'est celui qui est lapidé, c'est celui qui est maudit. Donc, les films maudits, Mola Anan Allah Solanat Loli, Nuziat Minhu, Ribqatul Islam, et finalement, ça signe, ça pacte, ça l'engagement, l'islam là, ça même fin sorti Loli. Donc, peut-être les films finiront dans le coufre. Alors, qui Allah protège nous. Quand vous trouvez Hayab et enlevé depuis Dimon, alors fais attention. Ça, c'est un signe. Nous faisons droit qui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il préserve nous, qui Allah subhanahu wa ta'ala, tout le temps, il préserve haya dans nous, il fait nous cultiver haya dans nous, bonne famille, bonne dîme autour nous, bonne descendants, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait islah sa ummat là, remette haya dans nous, Allah subhanahu wa ta'ala augmente haya dans nous, bonne madame, dans nous, bonne jeune fille, et qui Allah subhanahu wa ta'ala avoue sur rahmat le nous, le ummat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين